Et salut à tous et bienvenue pour cette 22e épisode de Fallout New Vegas en ma bonne compagnie. Donc je vous préviens tout de suite, je suis un peu crevé, je me suis couché à 2h30 du matin à cause du boulot. Donc là il est 9h30 je crois, bientôt 10h, mais bon j'ai envie de jouer donc on va jouer. Donc on avait amené Dog là-bas, enfin God hein, parce qu'il était en mode C'était lui crevé. Qui flottait au-dessus de la fontaine, c'était le patron. Il aime les entrées fracassantes. Je préférerais qu'il se calme, ou les brumeux vont débarquer en masse. Bien sûr, pas vous. Ou alors, je suppose que Verakiz a été perdu avec le reste des holo-archives quand les... C'est un spectre de noms et d'images. Mais elle a encore un charme fou. Mais c'est... Non, on dira à toi Puesta del Sol. Avant, la vue était superbe. Mais là, cet endroit est un haut lieu touristique pour les... S'il faut aller là-bas... Alors... Ouais. Envoyez la musique. Alors, on va mettre les téléphones en silencieux. Et c'est parti! Alors, ça c'est la porte où je ne peux pas encore accéder. Hop là, merde! J'ai pas vu qu'elle était si proche en fait. Aïe! Sa mère. Voilà. C'est fait. Alors, donc... Par les coulisses, on évite les locaux. Je crois qu'ils m'ont déjà capté. Ouais. On va le laisser s'occuper des deux là, hein, tranquille. Voilà. Hop là. Je n'arrive pas. Je m'en vais de chez moi pour ça. Donc il y en a un autre qui l'a trouvé, c'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Hop là. Faut retrouver la radio maintenant. Ça m'intéresse. Alors, fout tout ça quoi, oh là là, on s'en fout, va nous donner des steam packs. Ah, voilà, on parle de steam pack, impeccable.
Donc bon, vous vous doutez bien qu'avec sa capacité à lui, on va être obligé de passer un moment dans le nuage, hein. La Sierra Madre attendra, pas moi. Alors, il faut que j'aille par là-bas. Ah! Ah ah! Oh, ça m'a l'air d'être là, hein? Eh ben non, c'est pas là. Je sais même pas où je suis là. Donc là, en fait, oui, d'accord, ok, on est là au tout début. Méfiez-vous si vous voyez quelque chose d'alléchant traîner. Les brumeux laissent parfois des appâts pour leurs pièges. Alors, on va remonter. Il est là-bas dans le trou. Je peux vous aider dans le nuage, mais pas très longtemps. Tout ceci ne m'arrange guère. Le problème, c'est que je m'écarte vachement de mon objectif là. Alors. Ah ouais, mais j'ai zéro capsule. Non, attendez, en même temps, je suis con, j'ai certainement des trucs qui me servent à rien là sur moi. Hein, ça déjà, par exemple. Si. Ou le fusil carrément. C'est trop. Voilà, ça, on finit pour la zéro. Et on va en profiter pour se soigner un petit coup. Hein, voilà, donc déjà on durera un peu plus longtemps. Bon, que n'empêche, ça me dit toujours pas où il faut aller. On va d'abord sauvegarder, voilà. Si jamais je me trompe de route. Pas beau les arbres en cette saison. Bien fait, en pleine fleur. C'est de chez moi pour ça. On va t'occuper de l'autre, mon grand vin. Là, donc apparemment il y en a encore d'autres. Ça, est-ce qu'ils sont loin ou pas? Ah, et là il est juste là.
poste électrique. C'est là qu'il faudra amener la muette. Ah ouais, mais c'est pas la muette que j'ai là. Le nuage n'a pas toujours été là. Il a grossi pendant des années sans une voiture ni une usine. Je peux sauter dans les nuages, mais pas très longtemps. Apparemment, je suis dans le coin. J'arrive à gagner de la hauteur. Voilà, ça c'est fait. Alors. Ah, ah ben voilà. Je vais avoir besoin d'aide. Vers des scènes magnifiques. Voilà, donc jusque là on est bon. Par contre, le bug graphique qui est au niveau de la lance quand elle est ensanglantée, c'est vraiment moche. Hein. Hop là. Mieux vaut s'assurer qu'il est bien mort. En lui tapant. Ne m'abandonnez pas ici. Pas t'abandonner, calme-toi. Voilà, ça me plaît, ça. Alors, la route m'a l'air d'être par là. Je vais avoir besoin d'aide, partenaire. Aïe! L'endroit qu'on recherche se trouve au sud-est. Mieux vaut s'assurer qu'il est bien mort. En lui tapant dessus avec un bâton. Apparemment c'est bon. Alors donc apparemment donc ce serait par là qu'il faudrait aller. Très agréable ici. Enfin, assez agréable. Vous êtes dans la zone de Galad à la Goule. Maintenant obligez-le à rester. Alors c'est ici que je suis censé faire le choix. C'est quoi ça, des câbles? Je crois qu'ils sont reliés à la... Bon, je fais quoi du coup? Je reste là avec les deux extrémités dans les mains et je... Vous vous inquiétez pour ma sécurité? Après... Écoutez... Si je fais hurler les haut-parleurs, il va y avoir... Les brumeux ne sont pas très bavards, mais ils écoutent. Ils chantent. Comme ça, au milieu de la ville? Pourquoi ne me laissez-vous pas un de ces couteaux cosmiques de l'ère spatiale pour me tailler les veines? Vraiment? Pourtant, ce n'est pas l'impression que j'avais eue pendant notre mariage arrangé pour cause de bombes lors de notre... Écoutez, vous pourriez me proposer un contrat en béton pour une tournée mondiale des capitales avec Impérial... Non, vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y en a encore sous les rues. Dès qu'ils entendent quelque chose d'inhabituel, surtout la musique. Bon, où
Oui, les systèmes d'hologramme fonctionnent. D'accord, très bien. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir deux hologrammes qu'on peut allumer dans les pas. Si vous y arrivez. Bon, casse-couille de service il est là, hein. Putain de bordel de merde. Alors. Ah, non. Putain, raté. On va essayer d'ici prendre autre... Allez. Oh là là, c'est pénible la maniabilité dans ce jeu. Non, déjà je t'avais demandé de sauter. Là, voilà. Donc ça, c'est fait. En fait, j'avais pas besoin de me faire chier. Voilà, ben... Ah, d'accord, en fait, il me suit, tout simplement. Qu'il allait rester... ...faire un sacré trajet juste pour braquer cet endroit. Je suppose que vous avez l'argent dans le sang. Peut-être là-haut. Pour y arriver, donc il faut que je passe par tout ça. Ah ah. Ça m'a l'air d'être le cas, hein, parce que j'ai pas l'air d'avoir d'autres routes. Par là où je suis arrivé. Elle est fermée. Par où est-ce que je pourrais passer? On va repasser par là. La Sierra Madre attendra, pas moi. Oui, donc en fait, voilà, il est passé par là tout simplement. Bon, on va repasser par là au lieu de se faire chier pour faire un saut unique, un peu tour et qui sert à rien. Alors on passe par là. Ah, c'est ce problème là, c'est de pouvoir passer de là derrière en fait. Ah, ça m'énerve déjà quand je demande de sauter que ça saute pas, bordel de bon sang de bonsoir. Ah, encore. Ah. Ah non. Ça m'énerve, bon sang, c'est pas possible. On peut pas prendre d'élan dans ce jeu. Dès qu'on veut prendre l'élan, il saute plus. Ah là là. Ah, les brumeux. Ouais, mais casse-toi aussi là, que tu me fais chier là, pour que je peux pas reculer là, putain. Putain, je comprends pas par où je peux passer là. Ouais, il m'a fait peur d'être là-bas à se relever. Là. Il est même pas dedans. On va essayer d'aller voir en passant par le magasin en ruine là qu'on a trouvé la porte tout à l'heure. La Sierra Madre attendra, pas moi. Ouais, ferme ta gueule. Fatigué, mec. Par contre, on va déjà avoir retrouvé cette porte. Ah, mais tiens. Ça, déjà, c'est une bonne chose.
Alors. Voilà. D'accord. Ça sert à rien d'arriver là. J'en ai quand même marre de la saison touristique, ne le prenez pas. Alors, on va s'augmenter, donc je disais les armes à feu, c'est surtout pour ça qu'on est là pour le prochain add-on. Voilà, ça c'est un truc à faire, mais bon voilà, j'ai pas trop compris le principe, donc je vais pas faire. Nukakula, on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça c'est tellement nul maintenant qu'on s'en fout aussi. D'accord, ça marche que pour les armes, ça. Donc du coup, c'est vraiment pas du tout intéressant. Je pense que je vais prendre ça. Ne vous inquiétez pas, je suis pas mouru, hein, je suis juste en train de lire avec mes petits yeux bien fatigués. Ouais, bon, on va prendre ça, comme ça au moins déjà, quand Et ensuite... je me soignerai, je gagnerai plus. Et ensuite, c'est ça que je voulais faire. Voilà, ça. Donc mais du coup, je vois pas à quoi il sert ce magasin en ruine. Eh bien, de toute façon, avec l'arbre, que je pourrais pas aller plus loin. C'est ça, donc bon. Toujours pas avancé. Faut vraiment que j'arrive à trouver le moyen pour monter sur cette rampe. Si je devais venir ici, je m'occuperais des toits et des surplombs, comme les couloirs là. Ah ben on va se mettre en mode rapide hein, et je vais essayer de sauter hein, tant pis hein. Faut que j'arrive à faire mon saut un peu de travers là. C'est mal barré, c'est pas gagné, mais il doit y avoir moyen. Hein. Non, je vois pas. Je vois pas comment je peux passer, quoi.
Ouais, ben voilà, c'est parfait. Ça, je serais pas resté en mode Le nuage n'a pas toujours été là. faire café en ruine. En fait, ouais, c'est ça, en passant par le café en ruine, il y a moyen qu'on puisse passer là. Voilà, ça c'est fait. Donc on va passer par le café en ruine, voir en fait où ça menait. Tout simplement. Après, logiquement, vu que le local électrique il devrait pas être bien loin, on ira placer à la muette. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Fouiller un peu, pour le plaisir de fouiller un peu. Et je fais bien. En tout cas. D'accord. Ouais, bah si vous le savez pas, vous pouvez pas le deviner ça, hein, dis donc. Donc c'est bon, j'ai tout actionné, j'aurais dû rester là-haut. On va hop. Charger. Quoique non, on va pas se faire chier, parce que de toute façon c'est pareil, il y a le petit saut de merde à faire et c'est pas dit qu'on a réussi du premier coup. Voilà, ce que j'aurais aimé éviter, c'était la brume. Mais je suis où là en fait? Et ensuite? Je peux vous aider dans le nuage, mais pas très longtemps. Ouais, j'ai confondu le deuxième hologramme que j'ai fait spawn avec celui que je viens de croiser là, donc c'est pour ça que j'étais un peu désorienté. Hey, mais... Vous avez alimenté les hologrammes? Ouais. Mais comment savoir si l'alimentation ne va pas se couper brutalement et... Ah, je ne sais pas, mais ça me semble encore trop risqué pour moi. Comment ça me l'est cassé? Bon, très bien. J'aurais dû prendre l'autre à 80, ça m'aurait fait plus XP, ouais. Je suis un peu con. Je veux bien rester. Mais écoutez. Alors, est-ce que je peux me TP? Non, ça aurait été trop simple, hein. Ah bah oui, hein. Ça aurait été trop simple. Elle est mise à phasie.
Je crois qu'on devrait voyager ensemble. Allez hop. À son tour de l'amener. Bon, logiquement, je ne devrais croiser personne du coup, hein. Tu peux y aller comme ça? Ah ah! Bien sûr que non, connard! Ce serait trop simple, voyons! Je découvre des lieux, mais pourquoi faire? Bah, il n'y a pas d'ennemis, il te calme! Qu'elle apprenne à se détendre, hein. Allez, go pour le poste électrique. Ah merde. Ah, ils se foutent de ma gueule. J'en ai marre. Donc en ouvrant le truc, après je pourrais ouvrir ça. Donc il faut que j'aille trouver les trucs. Les fusibles. Et évidemment, ce n'est pas la porte à côté. Hein? Enfin, défoncé par le nuage, moi. Putain, ça commence à gaver. La radio doit être à l'étage de dessus. Hein. Clé de mes deux. Ça me plaît cette histoire, hein? Ça, le truc il est là-haut. Ah,
Je suis paumé. J'ai combien de compétences en réparation là? Je suis dégoûté quoi. Ah, oh, il me manque 5 points! Si j'avais su, j'aurais passé mon niveau, j'aurais mis 5 points là-dedans et puis c'était réglé quoi. Putain, on n'en parlait plus, bordel de merde. Sauf que je comprends toujours rien à leur carte de merde là. Putain, sérieux. Il en faut 3, ouais, ça là, j'en ai qu'un. Alors, on va. Ah, ben non, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, on va recharger pour se remettre la santé et aller le chercher, mais. Alors, si en plus, sur la minimap, c'est même pas indiqué où ça se trouve. Je peux descendre? Merci. J'aurais pas à réparer tout et n'importe quoi là? On n'en parle plus? Je suis dans un merdier, moi. C'est rien de le dire. Alors. Ça, c'est quoi qui est juste en face de moi? C'est le poste électrique. Donc, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Là, pour passer au niveau 23, ça va être chaud. Voilà. Allez. Ça c'est une bonne chose ça. Ça c'est parfait. Logiquement, avec ça, je m'en sors. On va faire une petite sauvegarde sur le toit, on sait jamais. Voilà.
Bon. Allez, prends-le ton pistolet, bon sang. Voilà. Ok, bon sang de bonsoir. Ah, il est compliqué ce coin, il me semble. Ouais. Ah, toi déjà t'es là. Hop, tu dégages. Ouais, mais je suis comment là pour passer sans prendre le nuage et où est-ce qu'il faut que j'aille exactement? Comment si j'aimerais éviter de me prendre le nuage dans la gueule, ma grande? Là, ça m'a l'air d'être un poil trop loin. Ah, je pensais trouver le truc radio juste en dessous là, mais apparemment, ben non, non, il est pas là. Je sais pas où il est ce truc radio là qui m'emmerde. C'est là d'où je viens. Donc c'est pas intéressant. Ce n'est plus que c'était si compliqué que ça de l'amener, elle, hein. Aïe. Putain, putain, il est blindé celui-là. Il restait encore un mot, donc je peux pas tenter le quatrième. Allez, écris, bon sang, écris. Voilà, parfait. Voilà, donc déjà... Oh! Il s'est passé quoi? Bon, allez. C'est où il faut aller. Voilà, comme ça on perd pas trop de vie. Je vais pas chier avec les pièges à ours. Bon, logiquement... Ah non, mais il y a Single et Stayed. Ouf. Comme j'avais sauvegardé, il n'y a pas trop loin, donc ça va. J'ai préféré tester. Ouais, en fait, là, c'est ça que j'ai déclenché. Ok. C'est normal que je sois aussi loin que je me suis quand même pris des grenades. Ah, je suis obligé de le déclencher. Ah, ouais, c'est prendre autrement.
fait. Pas qu'il aide, c'est sûr. Ouais. C'est pas qu'il aide parce que Fulad il n'avait que 2 sur 6 alors qu'à une lettre près c'était la même chose. Ça on éteint et ça on fait ça. Voilà, jusque là on est bon. Ça, ça me plaît. Ça c'est une bonne chose, bonne nouvelle déjà. Je suis sûr d'avoir sauvegardé au bon endroit là. Ok, donc je suis censé arriver par là en fait. Bien joué Christine. Donc en parlant d'armes d'ailleurs, hop. Ah j'ai même pas récupéré des balles pour ça en fait. Ok. 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 Voilà. Donc voilà, avec la fin de cette petite quête intermédiaire, ça va être la fin de la vidéo, donc ici c'est sûr qu'on va réussir à monter en haut du clocher, ça c'est une autre histoire. Ça nous aura pris juste que 52 minutes pour placer deux personnes, hein. Et puis là. Donc ben, écoutez, j'espère que tout ça vous aura bien plu, moi en tout cas même si je suis crevé ça m'aura bien plu, parce que c'est vrai que je veux vraiment connaître le DLC par cœur pour pouvoir le rusher, donc ce qui est loin d'être mon cas.
Mais voilà, ça m'a fait bien plaisir de le faire quand même. Donc moi j'espère que ça vous aura bien fait plaisir de me voir galérer. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, etc. etc. Bon partage, nous rejoignons sur Facebook et sur Steam. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et amusez-vous bien!